Alors vous reprendrez bien un petit peu de Horner. Je pense que la chose la plus impressionnante pour moi ce week-end, c'est que vous avez vu toute la pression que Max subit. Il attend des 100 000 Néerlandais ici. Beaucoup auraient craqué sous cette pression. Il a gardé son sang-froid. Il a livré la marchandise comme il l'a fait tant de fois. Trop fort, Super Max. On n'en peut plus, hein. Il y a une fusée, putain! Comment tu peux craquer sous la pression avec une voiture entre 5 à 7 dixièmes plus rapide que la première voiture hors Red Bull, quoi? Au tour. C'est facile, hein, comme ça, hein. Chaque pilote pourrait gagner, hein, comme il fait, hein. Alors, je continue. Horner a également évoqué brièvement les performances du reste de l'équipe. Nous avons effectué 8 arrow-stands aujourd'hui. Donc dimanche. L'équipe a réussi chacun d'entre eux, à l'exception de celui pour lequel Checo nous a prévenu environ 5 secondes à l'avance. C'est donc une incroyable performance d'équipe. Très bien, mais que rajouter d'autre à part qu'ils adulent toujours leur Max ou Chéri, hein. C'est un dieu pour eux, quoi. Franchement, Toto Wolff, il faisait pas ça à l'époque d'Hamilton. Hein. C'était pas à ce point-là. Hein. Bref, je vous laisse commenter.